c'est l'heure d'ouvrir le petit calendrier Kinder du jour. Alors aujourd'hui on est le 7 où l'encoche là. Yes, encore un chocobon, donc c'est plutôt cool. Honnêtement, pour un si petit calendrier, parce qu'il n'est pas très très grand, les surprises à l'intérieur sont quand même plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt bien pour un petit calendrier comme celui-ci. Donc je recommande si jamais vous n'avez pas de calendrier. On sait jamais, des fois que vous soyez en retard, mais franchement, celui-ci est pas mal. En plus, il est vraiment mignon. J'aime bien la petite forme en forme de chalet, etc. Alors, donc pour ce matin, petit chocobon du calendrier. Voilà, ça veut bien faire le focus. Ensuite, petit pain au chocolat, enfin maxi pain au chocolat du week-end. Une petite banane. Et toujours la même infusion de chez Elephant qui est la élimination et bien-être. Et un petit vlog. Donc là, c'est le vlogmas de Je ne suis pas jolie. Enfin, du coup, sur sa chaîne de vlog, c'est Je ne suis pas bavarde. Mais je vous avoue que c'est le 3 parce que je suis un peu en retard. Et. Ouais, beaucoup trop de trucs à gérer en ce moment, donc c'est vrai que j'ai pas eu le temps de suivre tous les vlogs, les vlogmas, alors que c'est mes préférés, mais je pense que c'est pas grave, au pire je rattraperai quand je vais rentrer chez moi le 18 et là j'aurai plus de temps. Donc voilà pour le petit déj de ce matin, et il va pas falloir que je traîne trop parce que j'ai pas mal de trucs à faire aujourd'hui, j'ai une liste bien chargée, parce qu'en plus j'ai mes partiels qui arrivent du coup mercredi, donc il va falloir... être efficace aujourd'hui. Donc là j'ai deux cours de soutien, donc je vais m'y rendre et j'en ai jusqu'à 18h, donc ça va être un peu long, mais bon c'est parti, il fait beau donc ça va. Je viens de rentrer de mes cours de soutien que j'avais cet après-midi, et puis là je vais ouvrir mon calendrier de l'Avent l'Occitane parce que je ne l'ai pas fait ce matin, et après je vous avoue que je me tente à me faire des crêpes pour le dîner, du coup à voir, mais je pense que ça va finir en crêpe. Est-ce que c'est pas trop cool? Je pense que si. Après il faut encore que je révise pour mes partiels et j'ai encore une longue liste de trucs à faire, c'est un truc hallucinant, sachant qu'en plus demain soir, ouais, demain après-midi, demain soir, on va au marché de Noël à Nice et à un festival BD Lumière. C'est une exposition sur le thème de la Chine, donc je crois qu'il y a des lanternes chinoises et des illuminations, etc. Ça a l'air magnifique, donc on va faire ça demain. Donc là, j'ai pas mal de trucs à faire aujourd'hui. Le calendrier du jour. Donc aujourd'hui, on est le 7, donc la case qui est là. Et aujourd'hui, alors le petit mot, réchauffer, rester cool et baisser votre chauffage. Bon, ça va, c'est tout à fait faisable parce que c'était tellement bon ici que c'est pas un problème. Alors aujourd'hui, bon, comme d'habitude je l'ai fait à l'envers, on a une crème pour les mains à la lavande. Et bah franchement c'est cool parce que dans ce calendrier je vais avoir toute la collection des crèmes pour les mains, donc franchement c'est cool. Après, je pourrais toutes les emmener, surtout qu'en format voyage comme ça, c'est vraiment hyper pratique. Bon, je me répète, mais c'est vrai que c'est le cas, donc parfait. Surtout la lavande ici, c'est un peu classique, quoi. Vu que je vis dans le sud, bon, voilà. Pour les crêpes, donc du coup, il vous faut 50 centilitres de lait. Moi, j'ai des petites bouteilles de 25 centilitres, puisque je bois pas de lait, à part quand je fais des crêpes, donc... J'en ai des toutes petites, sachant que des fois je fais la moitié en termes de crêpes. 3 œufs. Moi souvent je mets une cuillère à soupe de sucre et la farine, de mémoire, ça doit être 250 grammes. Donc c'est parti. Alors c'est parti pour la farine. Hop. Au niveau du sucre, j'ai mis une petite fin de gobelet, mais vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre moins, hein, c'est au choix. Je suis en train de regarder Vampire. Alors ensuite on continue, donc là j'ai versé tout ce qui était farine dans le sac ladier et sucre,
Et ensuite, il faut que je rajoute 3 œufs. Alors, c'est parti pour le premier. Je pense que je vais essayer de mélanger un peu au fur et à mesure. Ensuite, le deuxième. Ensuite, on commence à verser le lait. Miam miam, donc là c'est parti, j'ai lancé les crêpes, on a toujours Vampire Diaries à la télé, et puis bah voilà, c'est parti. En pleine cuisson de crêpes, le tas monte bien. Bon, vu que je suis toute seule, j'en ai pas fait des masses, donc là il m'en reste pas beaucoup à faire. Mais ça va me faire 2 à 3 repas, donc cool. Plus le petit déj en plus, c'est parfait. En plus, forcément, de l'huile Puget, parce que bon, on est dans le sud, donc vous savez ce qu'on dit. When in Rome, do as the Romans do. Donc, clairement, l'huile Puget, hein, obligé. Bon, bah, comme d'habitude, j'ai oublié de terminer ce vlog, donc je vous retrouve très vite dans un prochain vlog. Bisous!